Cette nouvelle vidéo intitulée Une approche ludique par des services pour l'usine numérique. Alors avant tout, je tenais à vous définir et à vous rappeler un petit peu quelques définitions au niveau du préambule, parce que souvent il y a confusion lorsqu'on travaille sur des applications en informatique ou en informatique industrielle sur le thème émulé ou le thème simulé. Alors j'ai repris donc les définitions que vous retrouvez sur des dictionnaires classiques. Définition que l'on retrouve au niveau du terme émulation et définition que l'on retrouve au niveau du terme simulation. Alors pourquoi ce préambule Parce que en fait, il s'avère que dans nos établissements de formation, quelquefois on n'a pas toujours à disposition des systèmes industriels de petite ampleur ou de grande ampleur. Et l'idée donc de cette présentation est de pouvoir justement Émuler un dispositif euh, automatisé sans forcément qu'il soit présent physiquement. Par contre, on verra par la suite que dans la simulation, on peut avoir une représentation 3D à partir d'un logiciel spécifique, en l'occurrence Factory.io, qui nous permet justement de vérifier un certain nombre de fonctionnements. Alors, l'architecture numérique euh, présentée. Euh, ici, est euh, décomposé en plusieurs blocs. Le premier bloc qui va consister justement à émuler un certain nombre d'entrées-sorties sur le système ou le processus, va être initié par KeepServer. Donc on verra par la suite que dans cet environnement logiciel, on peut avoir déjà à disposition un certain nombre d'entrées, de sorties, de data, de variables que l'on va pouvoir forcer ou vérifier afin de traiter des entrées et des sorties comme si on les avait sur un vrai processus industriel dans le cadre d'un contrôle commande Pour faire ces vérifications, j'ai un premier outil logiciel qui est dans le pack KIP Server EX, qui permet justement de faire ces vérifications au niveau de l'émulation. On verra qu'est-ce que l'on peut faire à l'intérieur et comment on peut justement forcer des entrées ou des sorties dans une utilisation future. On va travailler à partir de ces données avec un serveur type OPCDA fourni par Cogent Data Hub et à partir de ce serveur, on va avoir accès à différents services. On pourra ouvrir ou fermer le robinet tel que je vous l'ai présenté au niveau de la figure. Le client numéro 2, comme vous le voyez, nous permettra de faire des vérifications de ces contenus de variables d'une manière assez efficace et assez ludique à partir de différentes applications Excel ou autres environnements logiciels gratuits tels que Calc, comme vous le voyez. Alors pour ça, je vous ai préparé donc, euh, différents fichiers qui vous permettront de vous donner des idées sur ce que l'on peut faire en matière d'apport de connaissances sur ce thème. Le client numéro 3 que l'on va utiliser s'appelle Factory.io. C'est un environnement logiciel qui permet, dans une structure virtuelle 3D, d'apporter des composants et de pouvoir simuler ces composants au changement de variable des entrées et des sorties que l'on aura définies préalablement. Le dernier client permet une ouverture vers l'extérieur, c'est le client numéro 4, et on verra que dans le cadre de notre simulation complète, on peut avertir des opérateurs, des agents de maintenance, etc., etc. des contrôleurs de ligne. Sur de la messagerie afin de les alerter en cas de problème sur le dispositif ou sur le système. Alors, il y a un préalable pour correctement euh, encadrer euh, le travail à faire c'est de définir le volume des entrées du processus et le volume des sorties du processus qui vont être émulées. Donc pour ça, on peut faire appel à des tableaux qui résument la situation en matière de désignation, fonction, repère, adresse, type, mnémonique, et puis une dernière colonne que j'ai intitulée item OPC en fait qui permet d'avoir en clair les datas qui vont être traitées au niveau de l'application. Alors dans le cas de notre contrôle commande, euh, en fait, on va quand même avoir une contrainte. Parce qu'on n'a pas d'automate programmable industriel des dispositions, on n'a pas un processus industriel classique, on n'a pas de programme logical controller. Ça veut dire qu'il ne va pas y avoir une intelligence de calcul dans le cadre du contrôle commande, afin par exemple d'avoir un fonctionnement en automatique. Alors c'est pour ça que je vous ai ici indiqué euh, qu'est-ce que l'on pouvait être amené à contrôler néanmoins euh, d'une manière correcte les éléments. Donc j'ai repris la grille euh, des gestions des modes de marché d'arrêt ou le guide d'études des modes de marché d'arrêt et je vous ai indiqué donc, ce que l'on pouvait faire dans le cadre euh, du test dans cette vidéo. Ça veut dire euh, gérer la partie euh, opérative dans son mode initial ou dans ses conditions initiales. Et un aspect qui peut être intéressant par rapport à cette grille, c'est de pouvoir piloter dans le désordre, alors sous contrôle évidemment de l'opérateur, tous les actionneurs. Et cette partie-là sera effectuée dans la case F4. Donc on pourra piloter indépendamment un certain nombre de sorties. Et bien évidemment, on pourra repositionner la partie opérative dans ses conditions initiales. Alors, à partir de là, on va aller voir dans l'environnement Keep Server que je viens de lancer les différentes entrées-sorties qui sont par défaut mises à disposition. Alors comme vous le voyez, il y a des voies appelées channel qui sont déjà prédéfinies. Ça veut dire que si je vais par exemple dans la fonction rampe, j'ai ici une variable qui est déclarée en termes de nom, en termes de modèle, et puis en termes d'id et de contenu décimal. L'éditeur de logiciel fournit déjà un certain nombre de variables qui sont prédéfinies. On verra euh, quels sont ces contenus détaillés au niveau de ces variables. Et euh, dans le channel 0, j'ai déjà euh, modifié une variable que j'ai appelée data ramp xl1 avec un certain nombre de configurations et un certain nombre de paramètres. On retrouve dans d'autres channels, par exemple le channel 1 et le device 1, des tags et des objets booléens que vous pourrez utiliser si vous le souhaitez. Moi, je suis allé dans le device 2, dans lequel on me proposait déjà des tags booléens que j'ai renommés en data arrêt, data marche et data ST qui concernera la mise sous tension du système. Alors lorsque l'on regarde le détail, par exemple, de la data ST, donc elle a un nom, elle a une adresse spécifique, comme dans le cas d'une adresse spécifique, si on utilise une carte à microcontrôleur, un automate programme industriel, par exemple, elle a un type, elle est booléenne, et elle peut être lue ou écrite. En fonction de ce que l'on souhaite faire. Bien évidemment, dans ce cadre-là, au niveau des des noms, vous ferez attention à ne pas utiliser des caractères spéciaux et des espaces parce que ces déclarations ne sont pas reconnues dans le cas d'application en informatique industrielle. Alors, j'ai déclaré donc mes variables. Je vais ici oublier mes variables. Et je vais aller chercher un environnement qui s'appelle OPC Quick Client, qui est également fourni par serveur X. Et là, on va pouvoir regarder en direct le contenu dynamique de ces variables. Donc, je vais appeler mon serveur, je vais donner un nom à mon test, Donc, par exemple. Je l'appelle test. Et à partir de là, je vais pouvoir appeler autant de fois que je veux dans Keep les, les data. Donc je retrouve les numéros des voix. Et par exemple, dans le channel 1 et le device 2, donc je retrouve mes objets booléens et je retrouve data arrêt, data marche et data ST. Donc je les sélectionne. Et ils vont apparaître dans un tableau, et je pourrais les modifier dans le tableau comme je le souhaite au niveau de l'écriture, et la lecture sera également disponible. Alors, cette fenêtre-là, je vais la mettre un petit peu de côté, et je vais aller voir ici. La passerelle serveur OPCDA qui est fournie par Cochon Data Hub. Alors j'ai paramétré préalablement mon canal qui est donc X que l'on a vu précédemment dans l'environnement KipServer. J'ai lancé ma connexion. Et je peux, à partir de là, afficher les données dans un tableau dynamique. Donc je vais retrouver dans mon channel 0, par exemple, le contenu des différents signaux qui me sont proposés. Donc je retrouve l'évolution de mon l'item data ramp pixel 1 qui évolue entre 0 et 100. Je retrouve d'autres données. J'ai des data avec des tirages aléatoires, etc., etc. Si je vais dans mon channel 2, j'ai d'autres données qui apparaissent dans mon channel 1 qu'on a vu précédemment et notamment le device 2. Je retrouve les trois items que j'ai modifiés Data Arrêt, Data Marche et Data ST. Alors, on va voir qu'à partir de là, on va pouvoir faire jouer des contenus. Et bien évidemment, les données et les contenus inter-applications vont être parfaitement synchronisés. Alors par exemple, je prends la variable dataST et je souhaite, donc dans le mode manuel, modifier son contenu. Donc Je vais lancer ici le forçage de son contenu. Ça veut dire qu'elle était à 0, je vais la passer à 1. Alors qu'est-ce qui s'est passé Il s'est passé qu'au-dessus, on peut vérifier que le channel 1 device associé est passé à 1. Mais ce que l'on peut voir également, à droite, à ce niveau-là, c'est que dans Cogent Data Hub, j'ai effectivement la même data et le même contenu qui a changé. Je peux refaire la même chose. je force à 0 j'applique et ici ma data est passée à 0 alors on a vu tout à l'heure que au niveau de la fonction rampe on allait vérifier le contenu du signal émis par cette rampe XL1. Alors on voit une donnée numérique qui évolue entre 0 et 100. Par contre, est-ce qu'on pourrait avoir un outil dans Cochon Data Hub capable de visualiser en fait l'évolution de cette variable Alors c'est bien le cas. Je vais me déplacer ici un petit peu. On a un outil qui est fourni par l'éditeur de logiciel qui s'appelle QuickTrain. Donc je vais ouvrir trend et je vous ai préparé en amont la récupération de cette donnée et on constate que effectivement on a un signal d'anti qui évolue entre 0 et 100 qui retombe à 0 etc 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 ça veut dire que ici j'ai la possibilité d'avoir au fil de l'eau l'évolution d'un signal ou de différents signaux tels que j'aurais pu les configurer préalablement. Pour cela, on retrouve ici, dans les points de données, tous les signaux mis à disposition par rapport à mon canal au PCDA. Alors, je vais fermer cette fenêtre. Et puis, à partir de là, je vais aller regarder un petit peu les différentes applications que je vous ai préparées dans Excel. Alors, je peux déjà ouvrir un fichier Excel complètement vierge. Alors, on travaille comme vous l'avez vu en multi-fenêtre et à partir donc de ce fichier Excel, je peux tenter de récupérer d'une manière dynamique le contenu de la rampe XL1 dans mon tableau Excel. Pour cela, c'est très facile. Vous prenez la data qui vous intéresse et vous faites un drag and drop dans un tableau Excel. Alors vous voyez qu'à partir de là, puisque j'ai un outil Excel, je peux modifier évidemment la mise en page ou la mise en forme. Alors le lien se passe avec un lien DDE et on retrouve sur la partie ici du bandeau, l'intégralité du point de connexion avec justement la data qui m'intéresse. Donc ça, c'est une première vérification que vous pouvez faire. Alors j'ai préparé, comme je vous l'ai dit, euh, d'autres choses au niveau de Excel. Alors cette rampe XL1 en fait, peut être visualisée à partir d'un vu-mètre dans une application Excel. C'est ce que je vous ai préparé. Donc quand je souhaite ouvrir mon fichier, il me demande justement d'accepter des liens dynamiques par rapport aux échanges de données DDE. Et donc, voilà un exemple euh, typique que l'on peut montrer entre une donnée numérique qui évolue entre 0 et 100, et une mise en forme à travers un VUMET, tel qu'on l'aura défini et précisé préalablement. Alors ce signal-là, dans le cas de notre émulation, c'est un signal numérique qui évolue comme on le voit précédemment précisément, mais dans le cadre d'un système réel, ça pourrait être un signal que l'on récupère issu d'un capteur de mesure, type température, etc., etc., etc. Alors les tranches que vous voyez orange, verte et rouge, sont des tranches que j'ai préalablement paramétrées juste à côté, à droite. On va quitter ce fichier-là. Et on peut aller voir ici une autre possibilité de visualisation de la data dans un autre fichier que je vous ai préparé. Donc je vais faire une mise à jour. Et puis, je vais supprimer ces premières valeurs. Alors qu'est-ce que l'on a donc, on a plusieurs choses au niveau de la feuille. La première chose, déjà, concerne la récupération de la data ramp pixel 1 que l'on voit ici évoluer entre 0 et 100. Ensuite, on retrouve un graphe qui va nous permettre justement de récupérer la donnée. Et on retrouve un référentiel horloge que je vous ai ici préciser à ce niveau-là. Alors le challenge, ça va être à partir d'une macro écrite sous Excel, de pouvoir à partir d'un critère d'échantillonnage récupérer cette valeur et tracer cette valeur. Donc pour ça, je vous ai préparé donc, une macro écrite sous Excel. Donc on peut aller voir son contenu. Alors, le principe, il est le suivant c'est de récupérer dans, dans une cellule particulière le contenu de la valeur, et à partir de ma référence temporelle, échantillonner cette valeur toutes les trois secondes et empiler cette valeur dans une colonne. Donc, je vais lancer un macro. Et voilà donc le résultat. Donc, à partir du premier point de mesure que j'ai récupéré, toutes les trois secondes, j'empile ici dans ma colonne en jaune les valeurs récupérées dans DataRamp XL1 et j'affiche au fil de l'eau, dans la figure en haut, le résultat. Alors, on se rend compte que, effectivement, la tête de mon signal est pas tout à fait similaire à l'allure du signal que l'on a vu tout à l'heure dans QuickTrend. Donc ça, c'est tout à fait normal parce que j'ai un critère d'échantillonnage qui me permet d'avoir une résolution inférieure à la résolution que l'on a vue précédemment. Donc, en fonction du réglage que vous adopterez dans votre macro notamment au niveau du critère d'échantillonnage vous aurez la capacité de récupérer d'une manière plus ou moins fine l'évolution de votre signal. Alors ce qui est intéressant ensuite par exemple on peut faire la même chose dans le cas de détection d'arrêt machine c'est d'avoir l'historisation de ces arrêts sur la partie basse et de pouvoir ensuite avoir un journal vous permettant de retrouver, dans le cas des arrêts, ce qui s'est passé tel jour, telle heure sur la machine. On va quitter Excel, et puis on va revenir dans la suite qui concerne justement Factory IO. Alors toujours pour vous, je vous ai présenté préalablement, je vous ai préparé préalablement un test que l'on va ouvrir. Donc dans l'environnement 3D, j'ai mis euh, trois composants euh, que l'on retrouve au niveau des bibliothèques Factory.io. Alors, vous pourrez choisir un, en bibliothèque des dispositifs qui sont déjà préalablement écrits hein, et définis. Moi, j'ai pris trois composants simples pour vous montrer rapidement ce que l'on peut faire. Alors, lorsque vous avez mis les composants dans Factory.io, vous pouvez changer leur nom. Et euh, il faut... Une fois que c'est défini, connectez donc vos items à une boîte centrale qui permet justement d'interconnecter vos entrées et vos sorties par rapport aux objets 3D que vous avez dans l'environnement. Donc c'est toujours la même chose, c'est du drag-and-drop sur des pins concernant la boîte centrale. Alors vous trouvez des tutoriels qui sont bien écrits ou des vidéos à votre disposition dans, dans YouTube qui vous permettent de retrouver comment configurer correctement Factory.io. Alors je vais sortir de ma configuration et puis je vais lancer ma simulation. Alors j'ai mis un carton... Euh, à gauche je vais tenter de le prendre pour le mettre sur ma bande transporteuse parce que j'ai un actionneur électrique que j'ai associé justement à mon type wire j'ai le mis sous tension et puis j'ai une fonction alarme également qui est accessible alors on va voir que on peut effectivement interconnecter tout ça donc je retrouve mon tableau de tout à l'heure QuickTrend et je vais donc mettre sous tension mon processus en forçant dans OPC QuickTrend sa valeur. Donc je refais un synchronous write, je force sa valeur à 1. Et on voit ici un objet 3D qui s'allume et qui précise que mon environnement est sous tension, comme dans le cas d'un processus industriel classique. Alors je vais ensuite mettre en marche mon tapis roulant, donc même processus. Je le force à 1. Et mon tapis roulant a démarré. Alors dans le cas de cet usage, vous verrez que l'éditeur logiciel a même rajouté des sons qui vous permettent d'une manière assez ludique de vérifier le comportement du tapis. Alors je vais essayer de prendre ma caisse. Je vais la mettre dessus. Alors c'est pas toujours simple, vous voyez. Donc ça vous permettra ici de comprendre comment on peut virtualiser ici un système dans les trois dimensions. Donc vous voyez que ma bande transporteuse véhicule, le colis ou le carton, et le carton arrivé au bout, il va tomber. Donc là c'est pour une démonstration. La dernière partie euh, concerne euh, donc, euh, la gestion euh, d'alarmes transférées sur des boîtes email mail concernant l'arrêt de la machine. Donc pour ça, je vais retourner ici dans mon Quick Client. Et vous voyez qu'ici, j'ai... Dans ma data arrêt, la capacité de la, mettre à, de la mettre à 1. Alors, préalablement, qu'est-ce qu'il va falloir faire Il va falloir aller paramétrer dans Cochon Data Hub un certain nombre de choses. C'est ce que l'on va voir. Alors, avant, je vais arrêter ma bande transporteuse. Donc je reste sous tension au niveau de mon dispositif. Alors comme je vous l'ai dit préalablement, il y a des, des éléments à paramétrer au niveau de Cochon Data Hub. Ça c'est dans la rubrique euh, Email SMS. Donc pour euh, que ça fonctionne euh, correctement, un certain nombre de paramétrages à respecter. Donc comme vous le voyez, moi j'ai euh, ici initié euh, une boîte euh, Email euh, laposte.net. avec un certain nombre de... De règles à configurer. Et vous avez ensuite, quand vous allez dans la fonction configurer, la capacité ici de faire des associations de messages, de créer des associations de messages associées à des associations de variables. Alors vous, vous allez voir qu'on peut envoyer en clair de la messagerie, avec des textes en clair, vers différents personne. Donc dans mon cas, j'ai initié trois contacts différents. Un contact sur Gmail, un contact sur Université d'Orléans et un contact sur la Poste.net. Alors cet email qui va envoyer une alarme forte au niveau des destinataires sera défini avec un trigger. Et mon trigger en fait concerne des conditions émises par l'arrêt de ma machine. Alors, quand ça c'est correctement paramétré, vous avez une possibilité pour vérifier que tout se passe bien au niveau des transferts de messages en allant voir le journal des scripts. Donc, je nettoie mon journal des scripts. Je réduis un petit peu ma fenêtre. Et je vais aller donc forcer, comme dans le cas d'une machine, par exemple, vous avez un arrêt d'urgence sur votre machine, et cet arrêt d'urgence doit vous envoyer un certain nombre d'informations. Donc je vais aller dans ma data arrêt. Je vais forcer cette data A1. Alors, qu'est-ce qui s'est passé En tâche de fond, j'ai, euh, si vous l'entendez, ma sirène dans l'usine qui retentit fortement. Alors, je vais l'arrêter. Et puis euh, j'ai ici un script qui est apparu dans mon journal Les Scripts. Donc euh, mon journal m'indique qu'il y a des emails qui ont été envoyés sur des changements d'état au niveau de ma variable arrêt machine. Et je vais aller voir si effectivement j'ai correctement reçu dans trois boîtes mails différentes cette information. Alors je vais aller dans ma boîte email laposte.net. Voilà ce qui s'est passé. Donc au changement d'état de ma variable, j'ai reçu ici un message en clair qui me dit que la machine vient d'être arrêtée, veuillez vérifier et résoudre le problème. Et je retrouve les trois destinataires qui étaient configurés préalablement. Alors pour ça, je vais aller vérifier sur ma boîte Gmail si effectivement c'est le cas. Donc c'est le cas. Donc j'ai une mise à 0 et une mise à 1 de mon arrêt d'urgence. On a les horaires et j'ai le même texte qui apparaît. La machine vient d'être arrêtée, veuillez. Vérifier, résoudre le problème. Une dernière vérification, peut-être sur. Alors, vous voyez qu'on travaille beaucoup en multi fenêtre. Sur ma boîte unive orléans.fr je vais dans mes courriers entrants. Et là, la machine vient d'être arrêtée. Veuillez vérifier et résoudre le problème. Alors, comme vous l'avez vu, on a déjà validé un certain nombre d'éléments dans le cadre de l'usine connectée. Il y a forcément une suite possible à ce travail que je vais vous montrer. Alors, dans les suites possibles associées à ce travail, je vous en ai proposé ici deux. Une ouverture vers les services aujourd'hui MQTT, MQTT Broker. Donc ça, ça concerne tout ce qui gravite autour de l'Internet des objets. Et puis un deuxième service non négligeable qui concerne les environnements de gestion de bases de données avec par exemple la possibilité d'utiliser euh, MAMP Pro pour résoudre euh, votre application. Bien évidemment, Cogent Data Hub est capable de faire euh, la passerelle entre, entre, entre tout ça.